Adrien Strip 4, Charlotte toujours fâchée contre Paga et Adixia. Révélée dans Les Marseillais, Charlotte fait partie des candidats emblématiques du programme. Trompée et trahie devant la France entière par Paga, la jeune femme est devenue la risée des fratés. Interrogée plusieurs années plus tard à ce sujet par Samzira, elle a fait le point sur son parcours et cette humiliation. Charlotte s'explique sur la trahison de Paga. Après avoir confié ses mauvais souvenirs de tournage, la jeune femme est revenue sur le moment où elle a compris que Paga était attirée par Adixia. Elle raconte. J'ai vu le regard de Paga et j'ai compris qu'il avait craqué pour Adixia. Elle aussi. Mais je ne pensais pas que cela irait jusque-là. À l'époque, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. J'avais ressenti le coup de Xur. J'aurais préféré qu'il soit honnête avec moi. Charlotte toujours fâchée contre Adixia et Paga. Et il semblerait qu'elle ne se soit pas trompée puisque leur histoire aura duré plus de 3 ans. Désormais séparés, les deux candidats sont-ils toujours dans la ligne de mire de Charlotte? Elle répond. Je ne leur en veux plus. Ils se sont aimés. J'en veux à Paga de ne pas avoir été honnête avec moi et surtout devant la France entière. Et, après Marrakech, je suis allée sur le tournage. J'étais avec Paga à l'époque. La production nous a appelés pour aller dans le crossé, on m'avait déjà dit de me méfier de Paga. Julien m'avait prévenu et que notre couple n'allait pas tenir. Adixia ne devait pas venir. J'ai fait 3 jours à Marrakech. Paga a préféré dormir avec Julien qu'avec moi. Je me sentais rejetée par les Marseillais. C'était leur manière de le soutenir et pour qu'il puisse se mettre en couple avec Paga. Aujourd'hui, Adixia est toujours aussi amoureuse de son chéri Jim et Paga est de nouveau un Xur à prendre.